merci, merci infiniment. Est-ce que ça marche Vous m'entendez? Besoin de... Je peux parler comme ça? D'accord. Alors, je vous remercie infiniment. Et premièrement, Godefroy, Cécile, pour m'avoir invité, c'est un grand honneur. C'est aussi un peu une responsabilité que je ressens. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de cette invitation, de cette salle, et surtout du sujet qu'on m'a offert de traiter. Mais je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur une question qui n'est pas seulement l'histoire de la philosophie, mais qui, visiblement, nous intéresse aussi d'un point de vue plus général, de culture contemporaine plus générale. Et quand nous avons discuté ensemble sur ce titre, je me suis dit que je ne voulais pas consacrer cette conversation avec vous à un débat plutôt acharné, avec des tons qui me déplaisent un peu, qui a enflammé, si on peut dire, il y a quelques années, plutôt la culture de langue francophone, mais son écho, il s'est répandu un peu partout, sur la primauté, pour ainsi dire, si vous voulez, arabe ou latine, dans la transmission de l'héritage aristotélicien, plus spécifiquement, mais de la philosophie grecque plus en général. Je ne vais pas adresser cette question directement. Vous verrez que je vais l'adresser d'une manière marginale, mais en discutant d'une autre question qui me semble plus importante. Premièrement, parce que je trouve que la question, elle était, elle est toujours mal posée au point de vue méthodologique. On va, si vous voulez, parler de ça dans une conversation ultérieure à la fin de cet exposé, mais surtout parce qu'il me semble que c'est une question sans réponse. À moins de préciser si la primauté dont on parle est-elle une primauté chronologique ou une primauté selon l'importance, ce qui est bien évidemment ouvre la porte à des critères qui ne sont jamais objectifs. Du coup, ma proposition, essayer de regarder Aristote et à travers Aristote, avec Aristote, par le biais d'Aristote, la philosophie grecque en son ensemble, pendant une demi-heure, le temps que nous allons passer ensemble, à travers les lunettes, pour ainsi dire, alors il n'était pas question des lunettes à l'époque, mais peu importe, des deux lecteurs arabes d'exception qui sont situés l'un à l'aube et l'autre vers, disons, le coucher du soleil de la falsafa, la philosophie grecque en langue arabe, et de revenir à la question du début, pour quelles raisons s'intéresser aujourd'hui aux penseurs de l'islam médiéval, seulement après cette immersion, si vous le voulez bien, dans un Aristote qui s'avère parfois très très différent du nôtre, mais qui a quelque chose à faire avec le nôtre. Maintenant, je vais voir si j'arrive à ouvrir ce truc. Vous voyez ce que je vois? Ah, c'est... Alors, quel est mon propos? Je vais essayer de discuter ce point, Aristote et le système de la science. En prenant comme point de départ, tout d'abord Al-Kindi, qui est le premier philosophe de langue arabe, qui est mort plus ou moins après 866, et puis notre Averroès, le plus célèbre. Donc l'un situé à l'aube et l'autre vers la fin de la philosophie en langue arabe. Cela ne veut pas dire sans doute qu'après Averroès, la philosophie en langue arabe, ça n'existe plus. C'est évident, un arabe est un persan, on a continué à faire de la philosophie et à écrire d'ouvrages philosophiques, même très importants. Mais il y a tout un parcours qui met ensemble Al-Kindi d'un côté en Orient et de l'autre côté Averroès au coucher du soleil, aussi géographique de la philosophie en langue arabe. Et je vais essayer de suivre ce parcours qui est centré sur Aristote et l'image que
ces philosophes se faisaient d'Aristote, l'image qu'ils ont transmise d'Aristote. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que cette image a en commun avec la nôtre et qu'est-ce qu'elle a de différent. Alors, commençons par Alcmide. Ce personnage clé se situe, comme je le disais, au début de la philosophie en langue arabe, comme en témoigne cet appellatif, le philosophe des Arabes, sa présence à la cour du calife Al-Ma'mun au début, puis son successeur Al-Mutasim, puis le fils de ce Al-Mutasim dont il était le précepteur et qui va devenir lui-même calife, une personnalité d'exception et un témoin d'un moment historique dans lequel la falsafa, la philosophie grecque transmise en arabe par le biais des traductions multiples faites à cette époque précisément, et le kalam, la théologie spéculative de l'islam, ont pris leur essor presque ensemble, presque simultanément. Plus important encore pour nous, ici, Alcmide, il se situe au début d'un genre littéraire, jusque-là inconnu en arabe, le traité philosophique. Ceci pour dire que, au même moment où les textes ont été traduits du grec à l'arabe, un genre littéraire qui n'était pas connu à l'époque vient d'être créé dans ce même milieu, le milieu de Alcmide, et va prendre une diffusion immense. Et c'est quelque chose qui vraiment, nous on ne mesure pas trop ce que c'était l'importance d'un tel thème. Pour terminer cette esquisse beaucoup trop générale, il lui revient le mérite, le grand mérite, comme l'a montré Gareth Bendres dans une série d'études fondamentales qui ont mis en évidence l'existence d'un milieu, d'un réseau de savants qui s'intéressaient à la tradition scientifique et philosophique grecque et qui ont transmis ça à travers des traductions, comme Endres l'a mis en lumière. Ce cercle animé par Alcmide a traduit les ouvrages les plus importants pour la création d'une réelle agenda philosophique dans le monde arabe. Il suffit de dire que pour Alcmide, sur la commande de Alcmide, nous savons avec un bon degré de certitude que la métaphysique d'Aristote a été traduite, et d'autres gens qui ont travaillé avec lui, comme Endres l'a démontré au point de vue de la langue arabe qu'ils ont utilisée, ils ont mis en circulation en même temps le Decello, les météorologiques, plein d'autres ouvrages importants d'Aristote et en même temps des ouvrages d'Alexandre d'Aphrodise, Plotin et Proclus. Il suffit de dire ça pour voir que l'agenda philosophique de tout ce que va être la falsafa par la suite a été mise en place par Alcmide. Parmi ses ouvrages, il était un auteur très prolifique. Il a beaucoup écrit, très peu est arrivé jusqu'à nous par rapport à l'énorme quantité d'ouvrages qu'il a écrit. Mais parmi ses ouvrages, qui portent sur les sujets les plus disparates, puisqu'il était scientifique lui-même, un scientifique très doué, surtout en mathématiques et en optique, il s'en trouve une qui appartient à plein titre au genre des prolégomènes ou introduction à la philosophie, un genre qui est typique de l'antiquité tardive grecque, et cet ouvrage d'Alcmide, qui est issu sans doute de cette tradition, s'appelle Épître sur le nombre des livres d'Aristote et sur ceux dont on a besoin pour l'obtention de la philosophie. Il est tout à fait possible qu'il y ait des fautes ou des phrases françaises mal formées là-dedans, puisque c'est ma traduction, donc vous corrigerez à l'occasion, mais l'essentiel du texte est là. Longuement étudié par Elisabeth Rautado dans la tradition grecque,
cette littérature d'introduction à la philosophie a été étudiée aussi dans sa propagation dans le monde de langue syriaque par Henri Benaroche et aussi en langue arabe. Il y a une très belle thèse sur, par une savante allemande qui s'appelle Christel Hein sur la circulation de ce genre littéraire et en général de l'image systématique de la philosophie qui était donnée par les écoles de l'Antiquité tardive, notamment par l'école d'Alexandrie, au monde arabe. Alors, l'épître sur le nombre des livres d'Aristote et sur ceux dont on a besoin pour assimiler la philosophie se situe à l'intérieur de cette tradition littéraire bien établie depuis le VIe siècle, surtout à Alexandrie, et en hérite le caractère saillant. La présentation des œuvres d'Aristote comme faisant partie d'un tout organisé, un tout organisé qui s'articule sur une propédeutique des connaissances préliminaires qui, dans notre tradition latine, est le septenaire des arts libéraux, mais qui, en général, se repose, cette tradition latine, pensée à Boès, la tradition latine des arts libéraux, repose sur une structuration de l'enseignement supérieur à l'Antiquité tardive qui a été étudiée notamment par Isidra Tado, qui a écrit un livre important qui a été puis réédité en 2005, beaucoup augmenté, Arts libéraux et philosophie dans l'Antiquité tardive, qui est un point de départ fondamental pour tout ce genre d'études, et à l'intérieur duquel chaque ouvrage ou bloc d'ouvrage correspond à un but, à un scopos en grec, rara en arabe, et il y a des analogies importantes, il y a des points de différence entre la classification alexandrine du savoir qui nous est transmise surtout par des introductions aux catégories d'Aristote, d'Ammonios. Ammonios, il était le chef de file de cette école d'Alexandrie au VIe siècle, mais surtout par Philopon et Simplicius. Puis il y a des ouvrages qui s'appellent Prolégomènes à la philosophie, de philosophes d'une génération après, David et Elias. Alors, il y a des différences entre la classification du savoir qu'on retrouve dans ces ouvrages et la classification kindienne, mais par l'essentiel, tout est là. Alors, si nous regardons les textes, c'est une réponse à parce que ce genre littéraire du traité philosophique chez Al-Kindi, ça se présente surtout sous la forme d'épîtres. Et donc, il répond à la question, quelqu'un lui demande d'être informé sur les livres dans lesquels le grec Aristote a présenté la philosophie, selon leur nombre et leur ordre. Alors, vous voyez déjà, ces livres sont essentiels pour s'adresser à la philosophie de la bonne manière, pour établir fermement la philosophie et quelque chose qui ne peut pas se faire sans identifier exactement quel est le but de chacun des livres qui composent ce système du savoir. Les livres d'Aristote sont un système, dit Al-Kindi, que l'étudiant doit suivre en succession, selon leur ordre, leur disposition, de manière à devenir philosophe grâce à eux. Alors, arrêtons-nous un instant ici, parce que ce qui va suivre appelle un commentaire un peu plus détaillé, mais je voudrais, demander votre attention sur ce point. On a vraiment le droit de se demander si et en quoi cette approche systématique est tellement différente de la nôtre. Parce que, dans la mesure où nous tous, nous héritons d'Andronicus de Rhodos ou de sa source, parce que peut-être ce n'était pas Andronicus qui a mis en place le système des livres d'Aristote,
c'était plutôt une source plus ancienne, mais de toute façon, l'ensemble des livres d'Aristote, c'est lui qui les a disposés de cette manière. Nous avons tous, sur un rayon de notre librairie, chez nous, le même corpus, plus ou moins, ordonné de la même manière, depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, la logique, la physique, les traités naturels consacrés à l'âme, la métaphysique et puis les éthiques. C'est plus ou moins ce que dit Al-Kindi. Il y a les disciplines prophétiques, le septenaire des arts libéraux, et puis il y a quatre genres de livres, et ce sont les livres d'Aristote. L'un de ces quatre genres est la logique, le deuxième genre est la physique, appartiennent au troisième genre les choses qui sont indépendantes de la nature, subsistantes par elles-mêmes sans avoir besoin des corps, et pourtant ces choses-là existent avec des corps auxquels elles sont rattachées selon un certain genre, type de rattachement. C'est l'âme et tout ce qui a à faire avec l'âme, sensation, perception, mais aussi mémoire, imagination et capacité cognitive qui nous met ensemble avec les animaux. Mais il y a aussi un quatrième genre de réalité qui n'ont aucun besoin de corps ni ne s'y rattachent en aucune manière. Cette suite logique, physique, traité naturel, métaphysique et si vous voulez éthique, mais nous allons récupérer l'éthique par un passage qui vient postérieur. En gros, c'est le nôtre. Donc, c'est quoi cette différence pour nous aussi, Aristote, c'est en gros un système de savoir. Si nous voulons en savoir plus, si on étudie la philosophie de plus près, si on suit un cours universitaire sur Aristote, il y a toute une série de questions ultérieures qui s'ouvrent, c'est-à-dire correspondance entre cet ordre systématique et la composition réelle des ouvrages d'Aristote, distinction entre les ouvrages dits exotériques, c'est-à-dire destinés au grand public, et les ouvrages pour l'école. Tous ces ouvrages sont des ouvrages d'école. Question des listes anciennes des ouvrages d'Aristote, ouvrages authentiques ou ouvrages qui ne sont pas réellement authentiques d'Aristote, c'est-à-dire les sujets typiques des spécialistes. Mais, d'accord, tout ceci est vrai, mais en gros, pour que tu veux connaître la doctrine d'Aristote, on n'a qu'à prendre le coffre des ouvrages d'Aristote, Opera Omnia, et ça y est. Donc, le système établi par Andronicus est transmis à une postérité multilangue, à travers des intermédiaires, dont le plus proche des lecteurs arabes est le système scolaire de l'Antiquité tardive, et notamment de l'école d'Alexandrie. Tout ceci suffit largement. À première vue, donc, Al-Kindi subdivise les ouvrages d'Aristote plus ou moins comme le faisait Andronicus, sauf un détail, ça se voit un peu mieux si, voilà, si on prend, prenez s'il vous plaît le bas de la pyramide. Un détail qui a été examiné justement par Isidra Otado au point de vue de l'Antiquité tardive et par Hugonin Roche pour la postérité syriaque. Le détail est que, comme le faisaient les Alexandrins, les commentateurs d'Aristote à Alexandrie au VIe siècle, à l'intérieur de l'organon des ouvrages de logique, vous voyez, il y a la rhétorique et la poétique qui, pour nous et pour Andronicus aussi, ne faisaient pas partie de l'organon de la logique. Ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler ça, l'organon élargi de l'Antiquité tardive. C'est un détail qui démontre que Al-Kindi, il dépend d'une source tardo-antique, mais il y a, à côté de ce détail,
une différence plus importante, vous la voyez, je vous avais dit qu'on aurait commenté davantage la hiérarchie des êtres. Je vous rappelle tout simplement les 4 degrés, parce qu'il va être question encore de ces 4 degrés d'être auxquels correspondent les 4 degrés du savoir, la logique qui est l'instrument, puis la physique, puis les traités qui concernent les êtres qui seraient capables de subsister sans un corps, mais sont quand même en relation avec un corps, et puis la métaphysique. Cette hiérarchie des êtres fait réellement la différence entre notre manière de comprendre, même si nous voulons nous tenir au système d'Aristote tel que Andronicus l'avait établi au 1er siècle avant Jésus-Christ, nous ne nous, nous retrouvons pas dans ce système qui est un système hiérarchique. La séparation d'avec le corps établit une hiérarchie entre les êtres et une hiérarchie parmi les sciences et les livres d'Aristote qui s'occupent progressivement des êtres qui vont être de plus en plus détachés de la matière. Si on regarde ce schéma, on voit qu'il y a aussi une évidente relation entre la numérosité, le nombre des ouvrages qu'il faut consacrer à la logique, à la physique, aux êtres qui sont capables d'exister en tant que tels, des subsistances sans corps, mais rattachées au corps, jusqu'au traité qui, lui, unique et seul, traite des substances séparées. Mais avant de revenir sur cette question, le nombre des livres d'Aristote, observons, si vous le voulez bien, ce passage qui est dans lequel rentre la question de l'éthique aristotélicienne et qui va donner un peu la clé à partir de laquelle se structure le système du savoir d'Aristote selon Al-Kindi. Al-Kindi nous dit, après tout ceci, il a composé, il est Aristote, il a composé d'autres livres qui, tout en appartenant au genre de discours qui porte sur l'âme, donc le degré des êtres qui sont incorporels, mais capables de subsister avec un corps, peuvent être rendus parfaitement évidents et former l'objet d'un discours clair, seulement après le discours sur ce qui n'a aucun besoin de corps. Il s'agit du fruit de la science de ces livres, qui produisent alors le bénéfice de leur connaissance complète. Il s'agit des livres d'éthique sur les mœurs. J'entends les mœurs de l'âme et sa maîtrise, jusqu'à ce que celles-ci parviennent à la perfection humaine. Donc nous avons le fait que, dans le système de la science, Al-Kindi, il retrouve l'éthique après la métaphysique. Et là, nous avons le rationale de cette situation factuelle. Il nous dit que, bien que les éthiques d'Aristote, qu'il connaît très bien, tous les 3 livres, l'éthique à Nicomaque, l'Allemagne Moralia et l'éthique à Eudème, il les connaît et il en parle dans une autre partie de ce même ouvrage, les éthiques d'Aristote, tout en étant des œuvres qui ont affaire avec l'âme et ses mœurs, ne peuvent être compris parfaitement qu'après la métaphysique. Il faut, en d'autres mots, remonter l'échelle des êtres à partir de la réalité physique qui nous entoure pour arriver à la science de l'âme, considérée comme une substance qui a besoin d'un corps pour s'exprimer, pour exprimer toutes ses potentialités cognitives. Il faut savoir ce qu'est l'âme pour passer ensuite à voir ce que sont les réalités qui sont substantiellement séparées, non seulement séparables, mais réellement séparées des corps. Et à ce point seulement, on pourra tirer tout le fruit de toute la science qui est bien entendu un fruit éthique,
mais qui ne peut être compris à plein que si l'on a atteint le sommet de la science d'Aristote, qui est la métaphysique. La science de ces livres, il s'agit du fruit, fama latine, il dit, de la science de ces livres. C'est un pluriel, mais il avait dit avant que ce n'est qu'un seul traité qui aborde la science divine. Hein, on peut l'appeler de son nom, la science divine, des réalités primaires. D'ailleurs, Aristote aussi, hein, au début du livre Epsilon de la métaphysique, il parle de la métaphysique comme d'une science théologique. Alors, pourquoi ce pluriel? C'est quoi ce pluriel? Il vient de dire que la métaphysique a été étudiée par Aristote dans un seul livre. Alors les spécialistes, ils ont émis des hypothèses, ils ont dit, mais lui, il avait fait traduire la métaphysique à un type, Oustaf, il était en grec, d'origine, mais il était familier avec l'arabe, il connaissait très bien la métaphysique, donc il savait que ça se compose de plusieurs livres, c'est ça le pluriel. D'autres hypothèses ont été émises, mais moi j'ai plutôt le sentiment, surtout en regardant ce schéma, que ce pluriel, c'est tout le système de la connaissance, de la réalité, c'est tout le système des sciences qui est en cause. Alors, on ne peut saisir le fruit moral, si vous voulez, mais c'est une morale qui n'est pas une morale codifiée, c'est la perfection humaine, c'est le fait que l'homme, par cette science, atteint sa propre perfection en tant qu'être humain, sans avoir accompli la enkyklos paideia, la connaissance pleine et totale de la réalité à la suite de la science aristotélicienne. C'est la pyramide en son entier qui, à mon sens, est comprise dans ce pluriel. Et à ce propos, je dois préciser, et c'est pourquoi je suis revenue sur cette image, que... Alors là, je vous ai mis résumé des pages, ça c'est l'édition aboulida de ce traité de Al-Kindi. J'ai mis résumé. Si vous prenez les pages 365 jusqu'à 68 de aboulida, vous verrez qu'il ne procède pas de la manière qui est présentée dans cette image. C'est-à-dire, il ne commence pas par la métaphysique. Il commence par le fond de la pyramide, par la base. Comme dans les introductions à Alexandrine, on commence par la logique, on raconte, on donne les titres, on raconte qu'est-ce que ce sont ces livres, de quoi il s'agit, etc. Puis on passe à la physique, et c'est pourquoi j'ai mis la double flèche. Hein. En réalité, dans la présentation qu'Al-Kindi il en fait, il remonte vers la métaphysique. Mais... je voudrais dire que le fait qu'il insiste, là je vais faire un discours un peu compliqué, hein. Il faudrait avoir un peu plus de temps et je devrais avoir le temps de vous parler de Plotin et de l'édition systématique de Plotin, mais je vais essayer de ne pas être confuse parce que là il y a un point un peu important pour mon propos général. Si on fait attention au titre, le titre de l'ouvrage est le nombre, la quantité, camilla, le nombre, la quantité des livres d'Aristote. Et l'insistance évidente dans ces pages que j'ai résumées dans ce schéma, sur le fait que, autant qu'on monte, le nombre des traités diminue, jusqu'au dernier traité qui unique, contient la science la plus élevée, la science suprême, me fait penser que Al-Kindi s'inspire ici. Alors son modèle grec n'a pas été retrouvé, hein. Peut-être il n'existe pas, mais cet ensemble d'indices me fait penser que son modèle perdu pour nous, c'était quelque chose qui avait à faire au système par lequel Porphyre avait fait l'édition systématique de Plotin.
Lorsque Porphyre s'explique là-dessus, et lui aussi, dans sa vie de Plotin et ordre de ses écrits, parce que tel est le titre de l'ouvrage de Porphyre. Ce n'est pas une biographie de Plotin tout court, c'est l'ordre des livres qu'il a voulu donner au traité de Plotin, qui n'était pas systématique du tout. Lorsqu'il s'explique sur ce système, il dit avoir pris comme modèle l'édition des ouvrages d'Aristote d'Andronicus de Rhodos. Mais il dit, moi je commence par recueillir les multiples traités, tous petits et moins importants, que Plotin avait écrit sur la réalité naturelle, sur le cosmos. Puis je remonte, et ça se fait dans les Énéades 1 à 3. Puis je remonte vers l'Énéade 4 qui porte sur l'âme. Puis je remonte encore vers l'Énéade 5 qui, elle, porte sur le monde intelligible, jusqu'à terminer par l'Énéade 6 qui contient très peu de traités, seulement 9 traités, alors que les 3 premières Énéades, elles contiennent 27 traités. 9 par 3, donc 27, de la multiplicité jusqu'à l'unité. Parce que, alors il a été aidé, et peut-être c'est ça qui lui a donné l'idée, parce qu'il y a un traité de Plotin qui se termine par la formule célèbre de la fuite « manu pros manum » de celui qui est seul, de l'âme qui a fait la solitude en elle-même vers le principe qui est unique et seul dans sa solitude. Donc, il aménage les choses de manière à avoir toutes les Énéades qui terminent par le mot « manum ». Unique. Donc, il y a des indices qui me font penser que le modèle de Kindi faisait une part à la question de se concentrer sur une fin unique. Mais, pour notre propos ici, aujourd'hui, avant de quitter Al-Kindi pour Averroès, il est encore plus important de remarquer, relisons si vous voulez bien ensemble le début de cette phrase. Après tout ceci, il a composé d'autres livres. Il va nous parler de la position de l'éthique à Nicomaque et des Magna Morale et de l'éthique à Eudème. Mais pour Al-Kindi, ça ne fait aucun doute que Aristote, après avoir écrit la métaphysique, qui pour lui se termine et culmine, alors il sait qu'il y a eu un livre 13 et un livre 14 de la métaphysique, mais pour lui, la métaphysique, ça se termine sur l'affirmation de l'unité du premier principe, sur laquelle se termine le livre 12. Vous savez qu'Aristote, il termine le livre 12 en citant un vers qui dit qu'il n'est pas bien que l'univers soit ait plusieurs maîtres, plusieurs rois. Le roi Koiranos doit être un. Et donc, c'est pourquoi Al-Kindi, quand il parle d'Aristote, il en fait le champion du Tawhid, de l'unicité divine. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toute une série d'indices qui portent à dire que Al-Kindi, il était convaincu que, une fois mise la parole finale sur la structure de l'univers qui part du multiple et qui se termine par l'unicité du premier principe, du moteur immobile, alors après tout ça, il a pensé qu'il était nécessaire de composer des livres d'éthique qui nous rapportent le fruit de la science métaphysique. Et ceci est rendu encore plus clair par le dernier passage kindien, lorsque il parle d'Aristote dans un ouvrage qui imite la métaphysique aussi dans le titre, la philosophie première. Quand il parle d'Aristote et qu'il dit qu'il est le plus éminent des Grecs en philosophie, avant de dire ça, il fait cette exaltation de la philosophie qui est très célèbre, tout le monde la connaît.
Et il, en faisant ça, en disant que celui des arts humains qui a la dignité la plus haute, le rang le plus noble, est l'art de la philosophie. Il en donne la définition, mais elle est une définition double. La science des choses en leur vérité, dans la mesure où l'homme en est capable, et la science qui permet à l'homme d'agir selon le vrai. Donc c'est pourquoi il pense, et pour lui ça ne fait vraiment aucun doute, c'est tout à fait normal pour lui, et c'est ainsi qu'il voit les choses. C'est ainsi qu'il comprend non seulement l'aristotélisme, dont Aristote met toute la philosophie grecque. Aristote, il est le porte-parole de la philosophie grecque. Quand il dit « Mubaris al yunanigin filfalsra », le plus éminent de Grecs dans la philosophie, il veut dire que tout ce système se réunit en Aristote, et pour lui, la science philosophique, faite de cette manière et organisée de cette manière exprès par Aristote, parce que il avait écrit tous les livres dans l'ordre dans lequel il les a présentés. Il a commencé par la logique, puis il est passé à la physique, puis il a écrit les traités sur l'âme, enfin il a écrit la métaphysique. Et puis il s'est dit, mais non, il y a une autre science de l'âme. L'âme, non seulement comme sujet connaissant et qui donne la vie au corps, mais l'âme comme sujet moral, comme sujet éthique. Donc il faut bien que j'écrive les livres qui enseignent la manière dont l'homme doit se conduire pour parvenir à la perfection humaine. Et faut, maintenant, le temps passe vite, et il faut donc changer de scénario. Le scénario, maintenant, il a vraiment changé. Hein. Nous sommes en Occident, des siècles et des siècles sont passés. Il y a quelque chose en commun avec le scénario de la Bagdad abbasside dans la Cordoue d'Averroès, parce que les deux, ils opèrent et ils évoluent dans un milieu de cours. Hein. Nous sommes vers l'Occident, vers le coucher du soleil de la philosophie arabe, et on continue, on retrouve encore la continuité complète avec le schéma isagogique alexandrin du début. Le lien avec la littérature isagogique alexandrine du VIe siècle de notre ère est explicite chez Averroès. Ce texte, c'est le poème du grand commentaire de la physique. Ce texte n'existe pas en arabe, il existe seulement en traduction latine. Puis il y a des parties en arabe et aussi quelque chose en hébreu, mais le gros, il est conservé dans la traduction latine de Michel Scott. Et nous voyons dans ce prologue que son lien avec la tradition du commentaire de l'Antiquité tardive est explicite. Vous voyez ce que dit ? Il dit « Mon but dans ce discours est de commenter le livre d'Aristote sur la doctrine physique. Tout d'abord donc, je vais m'exprimer moi aussi, selon l'usage des commentateurs. Ces glossatores du texte latin, c'est bien évidemment les mufassirun qui, alors nous n'avons pas l'arabe, mais c'est évident, c'est les mufassirun. Alors, c'est la tradition alexandrine, la tradition des commentaires sur les ouvrages d'Aristote qu'il connaît très bien, et ces commentateurs, ceux que j'avais déjà mentionnés à propos d'Alkindi, donc essentiellement Ammonius, Philopon, Simplicius, mais aussi d'autres commentateurs comme David qui a écrit des prolégomènes, ils avaient l'habitude, comme l'explique Ilse Traotado et aussi Philippe Hoffmann, d'introduire le premier des ouvrages aristotéliciens qui faisait partie du cursus de lecture. Le tout premier ouvrage n'était pas d'Aristote, c'était les Agogènes de Porphyre. Mais lorsqu'ils abordaient le premier des ouvrages aristotéliciens, c'est-à-dire les catégories, ils avaient l'habitude de faire pour chaque ouvrage, donc notamment pour les catégories, un schéma en 8 points ou 10 selon le commentateur en question,
dans lequel ils examinaient l'un après l'autre les 8 points qui sont énumérés ici par Averroès, qui lui dit vouloir se rattacher, et il le dit, et il est explicite, sa volonté de se rattacher à la tradition de commentaires qu'il connaît. Comment la connaît-il? Alors, Fritz Zimmermann, qui a fait l'édition, le commentaire des deux commentaires consacrés par Al-Farabi aux De interpretazioni au Per Meneias d'Aristote, il a bien démontré que si Averroès connaît ce schéma, c'est par le biais de Al-Farabi. Mais c'est un point de détail qui, au fond, ne nous intéresse pas trop. La continuité nous intéresse, c'est-à-dire la continuité de ce système de présentation de chaque ouvrage à l'intérieur du corpus aristotélicien selon le schéma alexandrin. Ces points sont, j'ai mis en gras les points qu'on va reprendre dans la dernière partie. Moi, j'essaie de finir rapidement pour parce qu'il est bien de finir rapidement pour pouvoir échanger. Et surtout parce qu'il ne faut pas parler trop. Alors, on va examiner seulement la question du but de la physique, de sa place dans l'ordre de lecture, et la question du nom de l'auteur. Mais, pour moi, il est important de faire voir que à ce stade, que chez Averroès, l'intention de s'insérer dans la grande tradition de la lecture intelligente, commentée, problématique des textes d'Aristote, qui était la tradition alexandrine, c'est un but explicite. Alors, héritier de cette ligne, ce premier passage du prologue nous présente, dans le cadre de la littérature isagogique de l'Antiquité tardive, le but de la physique. Ou mieux, de l'ensemble des livres. Donc vous verrez la continuité avec le schéma qui était de Al-Kindi. Hein. L'ensemble des livres de physique d'Aristote, dans lesquels Aristote il a organisé la science des choses changeables de par leur nature. La physique, ce n'est pas un livre isolé, c'est le chef de file de tout un bloc des livres aristotéliciens consacré par Aristote aux choses qui sont dans la dignité ontologique, disons, le premier degré. C'est la réalité qui est en dehors de nous. Quand on a pris la capacité d'étudier philosophiquement à travers les livres de la logique, on s'approche de la réalité. La réalité autour de nous est une réalité changeable. C'est le premier degré de la réalité. Et il y a un livre qui ouvre la porte de ce type de connaissances et de sciences. C'est la physique. J'affirme donc que le but de la science naturelle, prise dans son ensemble, dont ce livre, qui est la physique, représente une partie, est celui de connaître les causes des formes sensibles, ainsi que les causes des propriétés accidentelles qui sont dans celles-ci, puisque le sujet de cet art est constitué exclusivement par les choses sensibles qui sont changeables de par leur nature, ça c'est la définition aristotélicienne, en tant qu'elles ont en elles-mêmes le principe du mouvement et du repos. Or, et ça fait un peu de différence, hein. Je vais essayer de reconstruire quelle est la source aristotélicienne de cette structuration de l'ensemble des sciences physiques, mais là, il y a quelque chose de différent. Averroès dit, le but de ce livre est celui de connaître, à propos de ces choses, les causes qui sont communes à toutes les choses naturelles, c'est-à-dire matière et la forme, la cause finale et la cause efficiente, ainsi que de connaître les causes premières, dans la mesure où il est possible de les connaître dans le domaine de cette science. Donc il y aura une science qui connaît les causes premières tout court, et c'est la métaphysique. Il y a des causes premières au niveau de la physique, mais ça c'est Aristote. Hein? C'est Aristote qui dit, s'il n'y avait pas des substances séparées, la physique, elle serait la science suprême. Or, il y a des substances séparées.
On est dans le cadre de l'aristotélisme, mais il y a une nuance, quelque chose de différent. Je vais essayer de le faire ressortir d'ici un instant. La physique, elle s'occupe de quoi ? Des principes universels du changement, des choses changeables. Thème qui est abordé dans le troisième point du schéma alexandrin, c'est-à-dire ce qui a à faire à la place dans l'ordre de lecture. Dans le dernier, les schémas isagogiques en 8 points alexandrins, cela s'appelle taxis tes anagnoseos, l'ordre de présentation, l'ordre selon lequel on va présenter. Cette taxis, cela devient en arabe le tartib, et le tartib, cela devient l'ordre de ce passage latin. Une analyse de détail de ce passage serait très éclairante parce qu'elle nous permettrait de voir comment le commentaire de la physique de Jean Philopon est dans l'affaire. Parce que cette hiérarchie selon l'universalité, elle se trouve explicitement chez Philopon. Mais on n'a pas le temps de faire ça. On se rappellera toutefois que ce qu'était chez Aristote, parce que la racine, elle est aristotélicienne, c'est Aristote qui met en chaîne les uns avec les autres des ouvrages qu'il a probablement composés dans des moments différents et à des propos différents. Mais il y a un ouvrage, et ce sont les météorologiques, qui, au tout début, dans leur prologue, nous disent. Et c'est ça qui a engendré l'idée chez Andronicus ou sa source de distribuer le corpus des ouvrages physiques dans l'ordre qui est le nôtre. Physique, de cielo, degenerazione et corruzione, météorologica. Tout ceci est dit par Aristote. Mais là, les commentateurs alexandrins, ils ont dit quelque chose en plus. Ils ont dit, mais c'est bien, mais quelle est la raison ? La raison est que la physique, elle donne les principes généraux du mouvement, de tout ce qui se meut, de tout ce qui est changeable. Donc il y a une priorité par l'universalité qui se reflète dans le passage qu'on vient de lire, les causes qui sont communes à toutes les choses naturelles. Quelle est sa place dans l'ordre de lecture ? La place dans l'ordre de lecture de ce livre consiste en ce que ce livre est le premier parmi les livres qu'Aristote a mis. Ça vous rappelle peut-être comment c'était naturel pour Alcinde de dire que Aristote il a composé l'éthique après la métaphysique. C'est Aristote qui a mis la science naturelle dans cet ordre. Il a voulu écrire tout d'abord la physique, puis il a écrit le De Cielo, puis il a écrit le De Generazione, puis encore il a écrit la météorologique, où il a résumé et il a dit j'avais écrit la physique, puis je suis passé à ça et à ça. Donc c'est Aristote maître, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est Aristote professeur, c'est Aristote maître qui met en place la science. Alors, le premier parmi les livres qu'Aristote a mis dans les sciences naturelles, puisque les choses naturelles se répartissent en plusieurs natures, et bien qu'elles se diversifient en raison de ce qui caractérise chacune d'entre elles, elles ont cependant en commun des aspects qui sont présents en toutes. Voilà pourquoi cette science se développe selon deux considérations. La première est la considération des aspects qui sont communs à toutes les choses naturelles. La deuxième est la considération des aspects qui caractérisent chaque genre des différentes natures. Mais le point le plus important est celui qui vient après. Cette deuxième partie se subdivise selon le nombre des différents genres. Et pour cette raison ont été mis dans cet art plusieurs livres. Donc, Aristote, il avait envisagé qu'il y avait ce problème dans la matière qu'il voulait aborder. Il y avait plusieurs types de réalités naturelles, des réalités purement physico-chimiques, comme celles dont il traite dans le De Generazione, les réalités dont il traite dans les météorologiques, les nuages, l'arc-en-ciel, l'halo autour de la Lune. C'est des choses différentes.
Elles ont pourtant quelque chose en commun. C'est la physique qui s'occupe de ça. Et puis, la chose particulière, Departmental Sciences, on dit aujourd'hui. Tout ceci avait été prévu par Aristote. Voilà pourquoi il est nécessaire de débuter ici aussi par une partie commune, tout comme les analytiques premiers et le de interprétazione sont placés avant les analytiques postérieurs et la dialectique et ainsi de la suite. Donc, le même ordre de l'universel au plus particulier qu'Aristote avait envisagé lorsqu'il avait écrit les catégories avant les Périerménéias et les Périerménéias avant les analytiques, etc., ce même ordre, il avait établi aussi dans les sciences physiques. Alors, quoi dire pour conclure? Si nous lisons le passage, alors je ne vous le lis pas parce qu'il est trop tard, mais je l'ai et on pourra le discuter si vous voulez revenir sur ce sujet. Si on lit le passage des météores d'Aristote, d'où toute cette histoire a pris naissance, c'est ce passage qui a donné aux bibliothécaires du 1er siècle avant Jésus-Christ et même peut-être aux bibliothécaires à l'intérieur de l'école d'Aristote lui-même, j'ose pas dire à Théophraste, mais sans doute aux bibliothécaires qui sont venus après, c'est ce passage de météorologique qui a donné l'idée de créer une sorte de point de départ de la structuration des livres d'Aristote. Ça se voit très bien, il y a cet ouvrage formidable, insurpassable, qui est « Les listes anciennes des ouvrages d'Aristote » de Paul Moreau. Quand on voit ce que c'était, les listes anciennes des ouvrages d'Aristote, on voit qu'il n'y avait pas d'ordre dans ces listes anciennes. Mais un nucléus a commencé à se créer pour faire de l'ordre dans le système aristotélicien. Et peut-être c'est le passage spécifique des météorologiques qui a entraîné tout ça. Mais si nous comparons cet Aristote systématisé au fil des siècles avec notre Aristote, l'Aristote du XXe siècle, qui est essentiellement l'Aristote de Werner Jaeger, l'Aristote de la Entwicklungsgeschichte, un Aristote qui change d'avis sur des choses très importantes, même fondamentales. Et cet Aristote, c'est toujours Jaeger. Si vous prenez l'édition de la métaphysique de Jaeger, vous verrez combien de passages qui sont exponctués. C'est Aristote qui n'a même pas écrit la métaphysique, qui avait écrit des traités sur la substance, des traités sur les causes, en vocabulaire des termes philosophiques, et que quelqu'un, après lui, avait mis ensemble tout ça. Ceci est notre Aristote à nous. Il avait écrit des monographies, des recherches dans lesquelles il ne se privait pas de la possibilité de revenir en arrière, de proposer des modèles dont la cohérence nous échappe complètement. Même aujourd'hui, il suffit de penser à ce que c'est le système général du cosmos qui nous est raconté par le bloc des cielos météorologiques et de le comparer avec le système de la métaphysique, livre 12, pour voir que soit les ciels il se meut parce qu'il est fait d'éther, d'une substance qui se meut par elle-même, de par sa propre nature, soit il se meut parce qu'il est attiré par le moteur immobile. Pas de moteur immobile dans le décel, pas de substance éthérienne dans la métaphysique. Donc tout ça est la délice, le désastre, mais aussi la délice des spécialistes d'Aristote aujourd'hui. Ah, l'Aristote de l'Antiquité tardive et l'Aristote de Al-Kindi et l'Aristote de Averroès, c'était complètement autre chose. Je laisse parler Averroès, qui, lorsqu'il passe à la question du nom de l'auteur de ce livre, point établi dans le schéma, hein. À un moment donné, il faut dire qui est l'auteur de ce livre, après avoir dit quel est son but, où il se place dans le système du savoir, etc., etc. Il faut dire qui est l'auteur. Le nom de l'auteur, dit Averroès, est Aristote, fils de Nicomaque, le plus savant des Grecs, qui a composé d'autres livres dans cet art. Il est en train de parler de la physique.
aussi bien dans le domaine de la logique que de la métaphysique. C'est lui qui a découvert et achevé ces trois arts. Il les a découvertes, puisque tout ce qui résulte avoir été écrit par les anciens dans cette science n'est pas digne d'y être inclus, comme si c'était une de ses parties, ni comme si c'était quelque chose qui mérite encore de soulever des doutes, ni à plus forte raison, comme si c'était quelque chose qui peut faire fonction de principe. Il les a achevés, parce que personne, parmi ceux qui sont venus après lui, jusqu'à nos jours, c'est-à-dire après 1500 ans, n'a pu rien ajouter, ni trouver dans ses paroles une seule erreur, aussi minime soit-elle. Qu'il y ait, dit Averroès à propos d'Aristote, une telle puissance chez un seul individu est un miracle et quelque chose d'absolument exceptionnel en tel état, lorsqu'il se trouve chez un seul homme, mérite d'être reconnu comme divin plutôt que comme humain. C'est-à-dire que lorsqu'il arrive à développer le point anodine, si vous voulez, du nom de l'auteur, il fait ce panégyrique d'Aristote qui n'est visiblement pas notre Aristote à nous. Ce n'est pas notre Aristote pour nous. Nous regardons Aristote et les autres, mais surtout Aristote, à la loupe, si vous voulez, à la recherche des contradictions qui ne nous effraient pas du tout. Ça n'engendre aucun problème chez nous. Même, ça nous intéresse au plus haut point. Ça nous amuse même. Nous, on cherche des contradictions internes chez Aristote, comme chez Platon, comme chez les autres. À la recherche des détails les plus cachés, comme si c'était un vase attique ou une fresque mal restaurée au fil des siècles. Ça, c'est notre Aristote, l'Aristote XXe siècle. Pour nous, ça est loin de dire que c'est moins passionnant. Hein. Mais vous voyez, il y a dans le passage de l'Héroès quelque chose de très différent. Et l'Aristote de l'Antiquité tardive, qui était l'Aristote des Arabes, l'Aristote d'Al-Kindi, l'Aristote d'Averroès, était en même temps, et pour cette raison, pour la raison que c'était l'Aristote qui avait saisi la vérité, on ne pouvait rien ajouter à ses paroles, une seule erreur, aussi minime soit-elle, ne peut pas se trouver dans son système, parce qu'il avait atteint la vérité, et chez cet homme, il y avait quelque chose de divin, dit Averroès. Exactement en tant que soustrait à l'histoire. Notre Aristote, c'est l'Aristote de la philologie et de l'histoire. On essaie de trouver les contradictions chez lui, les choses qui ne marchent pas. Mais exactement parce que c'était un Aristote divinisé, si vous voulez. C'était un Aristote qui était le porte-parole de la philosophie grecque et donc de la sagesse humaine qui a été donnée directement par Dieu sans passer par le biais de la révélation, si vous le voulez bien. Cet Aristote-là, exactement en tant que c'était, ce n'était plus un personnage de l'histoire, il pouvait s'habiller des vêtements très différents, notamment un vêtement néoplatonicien, ça on le sait en faisant le travail de la philosophie, qu'il avait pris sous sa tutelle des choses qui n'ont rien d'aristotélicien du tout. Et un peu, cet Aristote qui s'habille des vêtements de son époque ressemble un peu à ces personnages des fresques, des miniatures et des tableaux aussi, qui jusqu'à un moment donné ont continué à penser aux nativités et à s'habiller selon la coutume de l'époque. C'est pourquoi, c'est à cause de ça. C'était parce que c'était un Aristote intemporel qu'il pouvait devenir le champion du tauride philosophique pour Al-Kindi ou le champion de la rationalité philosophique face à au calam qu'il détestait aux yeux d'Averroès. Ce n'est pas notre Aristote, mais pour revenir à la question du début, que de savoir que c'était un Aristote vivant. Alors que le nôtre, il est un Aristote qui vit dans un musée, dans le musée de la philologie. C'est le nôtre, nous l'aimons comme ça. Mais de voir que cet Aristote
qui était l'Aristote de l'Antiquité tardive, est aussi l'Aristote de la philosophie arabe. Ça, pour moi, ça, c'est une leçon de l'histoire de la philosophie qui est très importante à saisir. Et c'est pourquoi je pense que, oui, vraiment, la raison pour laquelle il faut étudier les philosophes, les penseurs de l'islam médiéval, c'est de voir cette continuité et cette différence d'approche qui en fait un jalon important dans l'histoire de la philosophie tout court. Merci pour votre patience. Je vous remercie.